un très grand honneur pour moi de t'avoir à mes côtés pour commenter ce premier match. Alors, est-ce que tu as vu dans ta boule de cristal qui pourrait être l'aspirant au titre de champion middleweight? Tout d'abord, bonsoir Boula. Bonsoir. Merci infiniment de m'inviter. Effectivement, ce match est pour devenir challenger au titre middleweight. Et tu sais quoi? J'ai même pas envie de voir l'avenir pour ce match. Tout simplement parce que j'ai envie de profiter du match, parce qu'il y aura Butterfly, il y aura Paddock, et il y aura un anglais que je ne connais pas. Alors tu sais quoi, Boula? Allons-y. Alors, le premier homme à monter sur le ring. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir
Oh mon Dieu!
Abel Papillon porte bien son nom. Hein. C'est incroyable parce que ces trois compétiteurs sont dignes de m'affronter pour le titre middleweight. Ah oui, non mais je descends sur le ring pour une nouvelle fois. Oh là là. Et ils en veulent, hein. Non, parce qu'il va faire... Oh non, Dieu! Ah non, excusez-moi. Quand il joue, c'est cassé par Vadoc. Très intelligent. Intervention in extremis de la part de Vadoc. On va y aller pour le pouvoir bond. Il grimpe le coup, il perd. C'est monté! Oh mon Dieu! Un, deux, et... Cassé par... Ça aurait pu se dire. Ils en veulent tous, hein, là, ils exactement. En veulent tous, hein, de ce match. Jackson est très très impressionnant. Et dégagement. Dégagement. Oh mon Dieu, non, non. Oui, oui, on va se reculer, c'est mieux. On va se reculer, ouais. Oui, on sait jamais. Oh. Et donc, fly, un, deux, et trois! Mesdames et messieurs, le vainqueur de ce match est donc l'aspirant au titre de champion middleweight de la CACC, et moi, un contre un,
champion contre champion. Ouais. Le champion de la catégorie enfant contre le champion de la catégorie homme. Mais surtout, je veux pas que tu te méprennes, j'ai énormément de respect pour toi. Pas pour toi en tant qu'homme, mais pour toi en tant que voyant. Parce que ce que tu possèdes là dans tes mains est une arme qui devrait se retrouver dans les bonnes mains. Dans mes mains. Imaginez une seule seconde si une personne comme moi pouvait posséder le don de voyance. Je pourrais mener chacun d'entre vous sur la route du succès. Je vous offrirai des garanties. Sache, Alexandre le Grand, que ce don n'est pas offert à tout le monde. Ce que tu comprends pas, c'est que je veux pas que tu me l'offres. Je vais le prendre. Je veux que tu me le donnes. Tu sais quoi? Ça fait des mois, ça fait des années que je clame haut et fort, sur les shows, sur les réseaux sociaux, que je suis la future légende du catch. Mais maintenant, j'ai besoin de garantie. Je veux connaître mon futur. Et tu ne peux pas m'enlever ça, Rick Saru. Tu ne peux pas m'empêcher de connaître mon futur. Tu veux que je lise ton avenir? Oui, je veux que tu lises mon avenir. Je veux que tu me dises les grandes choses que je vais faire. Les grandes choses que je vais faire pour moi, pour le catch, pour tous ces péons qui nous regardent en ce moment. Je veux que tu me dises la vérité. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je ferais ça, hein? C'est très simple, ça. Dis-moi. Ouais, c'est Noël. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à tous ces gens. Le plus beau cadeau que tu puisses leur faire, c'est de leur dire à quel point je vais être au-dessus de moi. Dis-moi, dis-moi mon futur. Dis-le-moi. Mon futur, maintenant, je mets le titre en jeu ce soir. Donne-moi mon futur. Boulapac, officialise. Officialise que le titre en jeu. Non, mais là, moi, j'apprends un truc parce que c'était absolument pas prévu. Le titre, c'était pas prévu, le titre en jeu. Alors, je officialise. Monsieur, je mets mon titre en jeu et tu me dis mon futur. Ok. Il est temps pour moi de voir l'avenir d'Alexandre le Grand. Maintenant que le titre est en jeu, je vois Alexandre. Je vois pour ta carrière future. Je vois. Désolé, je vois pas pour toi. Ça va pas se passer comme ça.